Madame Suzy, comment est ta santé Baroua? Et puis, nous connaissons, secrétaire général Baroua, il a plus passé 3-4 mois depuis, il est en prison. Donc, comment est ta santé Baroua? Bon, santé Baroua toujours fort, parce que nous avons toujours en bonne santé. Ce n'est pas parce qu'on retire un membre que santé Baroua a fait. Santé Baroua a toujours ferme, a toujours bon. Le secrétaire général là en prison, on a tant le mot du droit. Pour le mettre secrétaire à deux, il y a besoin. Est-ce que je peux parler? Parce que si je ne parle pas pour dire que, parce que normalement c'est bâtonnier lié, je fais pour me suivre la corporation impose de me rentrer dans cette bataille. Mais, là, regardez, si on prend les notes, c'est nous-mêmes intervention par nous, vous avez étudié la forme de l'arrestation que vous avez jugée illégale. Vous passez outre la forme et peut-être que nous ne pouvons pas comme ça. Mais on met un paquet de bagages dans le dossier de là, qui met là en vente. Vous venez mettre l'association de malfaiteurs, vous mettez vente d'âmes, je ne sais pas qui j'en ai. Alors qu'en vente, vous êtes pas loin de trafic d'influence. Tout bagage, chaque mot d'endroit a une signification, et puis il est importé, il est route pour faire. Bon, Santé Baroua a toujours en forme, il n'est pas jamais en forme. Même si vous êtes bâtonnier en bataille, même si vous êtes grand bâtonnier d'Oval, vous êtes assassiné, nous souquons comme quand vous n'importe qui chien qui mouille, et puis après ça nous dérape. Et nous avons toujours le même comportement. Maintenant, à quel niveau le dossier ça est pour le moment? Toujours le cabinet d'instruction. Alors que la loi prévoit, moi je vous juge d'instruction. Un dossier, Robinson Pierre-Louis, toujours dans le cabinet d'instruction. Moi-même, seul bagage, je pense que la loi prévoit. Match, mais c'est pour une décision. Si vous voyez le tribunal, vous pouvez soit la gueule. Nous avons libre lui-même pour connaître la preuve, pour voir ça la fait. Vous comprenez? Toujours le même juge d'instruction. Pour appel un an. Il y a un peu de monde qui croit que mes politiques des arrestations, est-ce que vous partagez avec ça? Je ne vais pas dire que mes politiques. Mais cependant, moi, juste constater que ça y a un petit peu pas qu'on gêne dans le dossier. Mais est-ce qu'on parle à Robinson comme santé personnelle? Maître Robinson Pierre-Louis, son monde qui est toujours en tempérament. Son monde qui est fort. Donc jusqu'à présent, Maître Robinson Pierre-Louis est fort. Okay? Parce que nous avons confiance dans la justice et nous avons une décision. Voilà, c'est what the fuck. Mais nous avons remarqué que ça fait trois fois que nous avons fait l'activité. C'est la première activité qui est l'état d'aide, où est la situation relativement aux droits de femmes. Deuxième année, il faut créer une commission, télécommission femmes avocates. La commission femmes avocates il y a des objectifs bien spécifiques. Entre autres, si vous voulez, c'est garder qui j'en a assisté les dames au tribunal, qui assiste à Bayo, qui j'en qui étudie la fait sous texte de loi. Des objectifs que nous allons réaliser pour la simple et bonne raison, ou pas l'environnement, ou conseil de bail pour café, bon, c'est un effet au météo chita là, elle fait une impossibilité pour nous, pour aller dans le centre cancéral là, pour aller dans le centre femme, pour nous avoir assisté à Bayo, assistance à l'environnement. Si nous avons un 70 comme ça, c'est parce que nous faisons garde à vue et parquet. C'est ça qui permet que nous capacités de 70 comme des et des femmes avec 10 en Haïti. Donc, pour nous, là, je dis en après la troisième journée que nous allons parler de sécurité. Situation de sécurité, là, qui j'en dois des femmes à vivre. Donc, on va regarder, je ne sais pas si nous avons bien dedans, mais si nous regardons qui j'en, tout le monde a bouilli, n'a pas plus de femmes qui ont bouilli avec petit, c'est plus de femmes qui ont bouilli avec petit, tu vois, intervient là, monsieur Y là, les audios, ils ont non, c'est toujours mesdames qui ont bouilli, et là même bagage ça, c'est mesdames qui ont violé, c'est mesdames qui ont. Qui subit toute qualité de violence liée, parce que non seulement vous violez, vous allez faire toute qualité à fond, et mesdames avec 10 filles. Parce que vous venez là, vous dites que ce n'est pas vivant qui vous sauve. Donc, toute situation, ça, aujourd'hui, on a pour être à fond, étude. Ok, comme c'est journée internationale des droits des femmes, et ce n'est pas une célébration que nous avons fait, c'est la journée internationale des femmes. Là, c'est pour vous mettre des problèmes, ou mettre à
avancer et nous mettre des problèmes avec des filles pour qu'ils n'ont pas abordé pour nous toujours avancer. C'est ça le journée international des droits de l'homme. Suite, son étude, mais suite là, ça dit après étude. Suite là, ça dépend de qui j'ai étude dans sortir et qui j'ai abordé. Parce que pour ne pas sous-estimer la situation. Parce qu'en même fois, bah, on a besoin de faire activité, on est obligé d'annuler. Pour la simple bonne raison, pays fermé ou bien pas de moyens sortis. Nous ne pouvons pas faire travail ou quoi, nous ne pouvons pas faire. Okay? Nous avons là, nous avons un congrès que nous avons fait. Des étrangers qui ont vivre. Pourquoi pas annuler? Le monde, comment on fait? Mais la sécurité est revenue en Haïti. Vous comprenez? Donc, quand nous sommes dit là, là, ou pas à suivre, vous voyez que l'année dernière, la commission était un objectif bien déterminé. L'année d'avant, nous avons gardé le texte de loi, nous avons gardé qui côté que nous n'avons pas bon pour les défavorables aux femmes, nous avons gardé que nous avons fait études, nous avons gardé. Mais de l'année dernière, je vous dis, on peut dire, c'est 70 personnes seulement que nous sommes capables de l'habiter. Sauf la prison à la suspecte, pas d'avocat. Okay? Alors que côté que nous avons vraiment. C'est l'ensemble pour nous avaler le droit. Il y a des moyens pour nous retirer de l'ensemble. Vous comprenez? Vous avez envie de faire un bagage. Vous avez faire études, vous faire projection, vous faire ceci, vous faire ça. Mais vous ne pouvez pas réaliser. Pas dire qu'on peut réaliser à 100% sur rien. Parce que la situation politique pays, la situation sociale pays, elle ne dépend pas de vous. Elle dépend de d'autres facteurs. Elle dépend de facteurs X, facteurs Y que nous tous connaissons. Nous simplement à vivre, à subir et facteur ça a un paquet de violations de droit. Violation de droit femmes seulement, non, violation de droit tout. Comme je vous l'ai dit précédemment, je dis d'abord bonjour à toute la presse en général, écrite, parlée et télévisée. La journée internationale des droits de la femme, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une journée consacrée pour pouvoir permettre aux femmes de réfléchir sur la problématique des droits des femmes au travers de leur vie dans la communauté. Donc pour nous aujourd'hui, certains considèrent qu'aujourd'hui c'est un jour de fête où on doit se dire bonne fête à la femme, mais non. C'est un jour de réflexion, c'est un jour où les femmes doivent s'arrêter et analyser le parcours qu'elles ont fait jusqu'à cette journée et puis maintenant envisager leur vie dans le futur. Donc pour nous, c'est une célébration et en ce jour, les femmes parlent des problèmes qu'elles confrontent dans la société, de leur rapport avec les hommes, puisque c'est là le binôme qui est ici mis en cause. Et comme vous l'avez bien entendu tout à l'heure dans mon discours, pour moi, même Dieu, dans sa divine conception biblique de la femme, si on considère que vous me prêtez ce dogme-là, puisque ça peut être sujet à critique pour certains, Dieu a considéré que la femme a été extraite de la côte de l'homme. Or, vous savez que dans la côte, il y a la latéralité. Ça veut dire que cette latéralité crée ce qu'on appelle une égalité. La femme ne peut pas être le supérieur de l'homme, parce que sinon Dieu l'aurait mise à la tête. La femme ne peut pas non plus être inférieure à l'homme, sinon Dieu l'aurait mis dans les pieds. Donc elle ne peut pas être piétinée. Et si l'homme est intelligent, qu'il sache que la vie, pour aller loin, on doit être deux. Donc la femme doit être bras dessous, ou alors main dans la main avec l'homme pour pouvoir affronter les affres de la vie. Et croyez-moi. Et voilà, c'est là que nous commençons la vidéo pour aujourd'hui. Hein. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier d'abonner ensemble avec la chaîne là si vous faites ça. Et activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir une notification de chaque vidéo que nous postons sur la chaîne là. Et pas oublier de liker la vidéo ça pour pouvoir toujours recommander la vidéo. Merci, nous vous croisons dans la prochaine vidéo. Ciao!